البداية راح تكون إنه اليوم الدكتور مفهوم ابتدائي الشعر مع الهدف يبدأ يرفع على مشارك التحرك الدولي.
Madame, il n'y a pas de son. Madame, est-ce que vous m'entendez ou pas? On n'entend rien. Bonjour madame, on n'entend rien et l'image est noire. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très oui, madame. Bien. Très bien. J'espère que vous allez bien. On va commencer le cours. Bonjour. On va commencer le cours. Le cours d'aujourd'hui va porter sur un chapitre ou sur une partie très importante. C'est la partie des vitamines. C'est un cours qui est aussi important que les classes pharmacologiques. On a l'habitude de parler des vitamines en cas de carence, etc. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les vitamines, c'est au même titre que les glucides, les protéines et les lipides. Comme le corps, il a besoin des nutriments, des glucides, des peptides. Il a besoin des sucres, donc il a besoin aussi des vitamines. Bon. Nous allons voir donc toutes les vitamines, à peu près 13 vitamines. Je vais essayer de résumer au maximum. Donc, selon le nom vitamine, donc, il est décomposé en deux parties, vita et amine. Ça veut dire que ce sont des amines vitales à la vie cellulaire. Donc, ce sont des micronutriments, des substances organiques qui sont vitales à la vie, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, on les trouve généralement dans l'alimentation, ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, sauf exception pour deux vitamines ou trois vitamines qui sont la vitamine D et la vitamine K. Oui. Pour la vitamine K, elle est synthétisée par la flore bactérienne. Et pour la vitamine D, elle est synthétisée par la peau. Donc, je répète, les vitamines ils sont responsables aux réactions, biochimiques de l'organisme. Les vitamines sont décomposées en deux parties. On va les classer plutôt en deux familles. On a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles, il faut les connaître. C'est la vitamine A, la vitamine D, E et K. Et les vitamines hydrosolubles, c'est les vitamines ou la famille des vitamines B et la vitamine C. Donc, pour la vitamine, les vitamines liposolubles A, D, E, K, ça nécessite les sels biliaires pour qu'elles soient absorbées par l'intestin. Et les vitamines hydrosolubles sont facilement absorbées aussi par l'intestin. Donc,
ici, pour le mécanisme d'action, nous allons le voir vitamine par vitamine. On a des vitamines qui agissent sur le noyau, on a des vitamines qui agissent sur la membrane. Il y a des vitamines qui agissent par transfert de l'eau. Je vais l'expliquer. Ça se voit surtout pour l'acide folique. Et on a les vitamines qui agissent par transfert d'électrons, c'est-à-dire ils empêchent la formation des radicaux libres. Je commence par les vitamines liposolubles. Et comme j'ai dit, c'est la vitamine A, D, E et K. Et je commence par la vitamine A. C'est une vitamine qui est très importante. La vitamine A, elle a deux origines. Une origine végétale et une origine animale. Et on distingue la différence entre les deux. La vitamine d'origine animale, c'est la vitamine A entière, appelée rétinale. Pour l'alimentation qui en contient, on a le foie, les huiles de poisson. On a aussi les produits laitiers. Mais attention pour les produits laitiers. Lorsqu'on dit le lait écrémé ou le lait partiellement écrémé, ça veut dire que le taux de la matière grasse, elle est faible. Et la vitamine A, elle a besoin de la matière grasse pour qu'elle soit soluble. Donc, le lait écrémé et partiellement écrémé, il contient une teneur très faible en vitamine A. Et la même chose pour toutes les vitamines liposolubles. C'est une arnaque en quelque sorte industrielle pour les laits écrémés et partiellement écrémés. De préférence de prendre le lait entier. Je reviens à la vitamine A végétale. Elle se trouve sous forme de bêta-carotène. La bêta-carotène est une provitamine A, c'est-à-dire lorsqu'on prend les aliments végétales qui contiennent donc les bêta-carotènes, les bêta-carotènes vont se transformer en vitamine A dans l'organisme. Les aliments qui contiennent les bêta-carotènes, on a les carottes, bien sûr, on a les abricots, c'est généralement les aliments ou les nutriments de couleur orange ou jaune. On a aussi les tomates. Bon, dans le cours, il faut se concentrer principalement sur la pharmacocinétique et sur l'action ou les propriétés pharmacologiques. Pour la pharmacocinétique, pour les vitamines liposoluble. Lorsqu'on dit liposoluble, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit hydrolysée, surtout pour les formes esters. Par exemple, la vitamine A se trouve sous forme d'ester dans l'alimentation, que ce soit d'origine animale ou végétale. Donc, elle nécessite une hydrolyse par les lipases pancréatiques, puis une solubilisation par les sels biliaires, comme elle est liposoluble, donc elle doit être solubilisée par les sels biliaires. Une fois solubilisée par les sels biliaires, donc elle peut passer vers les entérocytes. Et à ce moment-là, elle sera incorporée dans les chylomicrons. Pour les chylomicrons, vous allez les voir en biochimie en quatrième année. C'est une protéine qui fait circuler et qui transporte les lipides. Donc, je reviens. Le rétinal, il sera incorporé dans les chylomicrons au niveau des entérocytes, puis il passe dans la lymphe, puis dans le foie. Dans le foie, c'est le site de stockage. Le foie est le site de stockage donc de la vitamine A. Il contient à peu près 90% de la vitamine A. Et puis, la vitamine A, elle va passer vers le sang. Généralement, le pic de la vitamine A survient 4 heures après l'ingestion donc, des aliments riches en vitamine A. Et dans le sang, elle ne va pas circuler toute seule. Elle va circuler liée à une protéine spécifique qui est la RBP. C'est une protéine qui lie le rétinal. Et bien sûr, elle va la transporter vers les tissus cibles. Les tissus où cible de la vitamine A, on a la rétine, et d'ailleurs elle s'appelle la vitamine de la vision. On a les glandes sébacées, on a les glandes sudoripares, on a le foie bien sûr, et on a bien sûr l'épiderme. Donc elle a une action cutanée aussi. On va voir dans les propriétés pharmacologiques. Pour le métabolisme, donc, je vais revenir sur le mécanisme d'action. Pour le métabolisme, donc le rétinal contient, lorsqu'elle passe dans le foie, elle sera métabolisée par une glucuroconjugaison
et elle va subir un cycle entéro-hépatique. Et aussi, ce cycle il va permettre la formation d'un métabolite qui est le rétinal. Donc, le rétinal il sera oxydé en rétinal, en acide rétinoïque, qui sera donc réabsorbé par cycle entéro-hépatique. Et ils vont, de nouveau, ils ont le même mécanisme d'action que le rétinal. Donc, c'est un métabolite, le rétinal, c'est un métabolite actif. Pour le mécanisme d'action, donc la vitamine A, on dit que c'est une vitamine liposoluble. Donc, elle va traverser la membrane cytoplasmique. Dans le cytoplasme, il existe un récepteur spécifique de la vitamine A, c'est Cellular Retinal Binding Protein. Donc, le complexe récepteur cytoplasmique avec la vitamine A, ils vont migrer vers le noyau et ils vont agir sur des régions promotrices de l'ADN. Donc, pour donner une action pharmacologique. Maintenant, pour les propriétés pharmacologiques de la vitamine A, c'est une vitamine qui est très importante. C'est la vitamine de la vision. Au niveau de la rétine, il existe une protéine qu'on appelle l'opsine. L'opsine, elle va se lier au rétinal. Le complexe rétinal-opsine va donner la rhodopsine. Rhodopsine, c'est une protéine qui est très importante. C'est la protéine de la vision de nuit. Lorsque l'intensité de la lumière diminue, c'est les cellules en bâtonnets riches en rhodopsine qui vont donner donc la vision à une lumière de faible intensité. Donc, une carence en vitamine A va donner ce qu'on appelle ça va donner une mauvaise adaptation à la lumière donc de nuit. Ça donne ce qu'on appelle héméralopie, c'est-à-dire un défaut d'adaptation à la vision d'obscurité. Et une carence aussi en vitamine A donne une xérophthalmie. Xérophthalmie, ça veut dire une sécheresse de la conjonctive et ça donne une opacité de la cornée. Et aussi, la vitamine A, elle prévient le cataracte, c'est-à-dire elle protège le cristallin et elle prévient le cataracte par son effet antioxydant. Et ça se voit surtout avec les bêta-carotènes qui se trouvent dans les carottes, etc. C'est pour ça qu'on dit dès l'enfance, il faut donner aux enfants les carottes, etc. Parce que les bêta-carotènes, ils ont un effet antioxydant et ça protège le cristallin. Et comme adulte aussi, on a besoin pour les hommes de 800 microgrammes chaque jour de vitamine A et pour la femme, chaque jour 600 microgrammes de vitamine A. Donc, normalement, l'alimentation équilibrée, les légumes, etc., apporte une quantité suffisante de vitamine A. Maintenant, la vitamine A, elle n'a pas une action uniquement sur la vision, elle a une action aussi sur les autres tissus, particulièrement sur les muqueuses. Ça entraîne la sécrétion du mucus. La vitamine A, elle est très importante pour la sécrétion et la protection du tube digestif et de l'estomac. Ça permet donc de sécréter le mucus qui est protecteur pour la paroi gastrique. Ça permet aussi la synthèse des mucopolysaccharides et la cicatrisation de la peau, des plaies, etc. Et elle a une action régulatrice sur les glandes sébacées et sudoripares. Elle prévient les troubles de kératinisation et elle prévient aussi le psoriasis. Dans le traitement du psoriasis, on utilise beaucoup de la vitamine A. La vitamine A, donc, elle a un effet aussi antioxydant. C'est pour ça elle protège de certains types de cancers. Et les bêta-carotènes, ils ont une action antioxydante très importante. Et lorsqu'on dit une action antioxydante, ça veut dire que ça protège de certains types de cancers. Bon, les carences se traduisent par des sécheresses muqueuses, des sécheresses de la cornée, une sécheresse de la peau, des chutes de cheveux. La chute de cheveux, elle est fortement liée à un manque de vitamine A, c'est très important. Elle prévient les troubles visuels. Les carences entraînent une diminution de la croissance et une diminution de la résistance aux infections. Donc la vitamine A, elle protège contre les infections bactériennes et virales.
Bon, vous allez me dire, normalement, l'alimentation équilibrée, elle apporte suffisamment de quantité, une quantité suffisante de vitamine A lorsqu'on mange équilibré, on mange des légumes frais. Mais le problème avec l'alimentation maintenant, avec le rythme de vie moderne qu'on subit, l'alimentation des fast-foods, les fritures, les farines, etc. Donc, on tombe automatiquement dans les carences. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre alimentation. On peut apporter de la vitamine A comme médicament, comme complément alimentaire. Il se trouve, il y a des colliers à base de vitamine A, il y a des comprimés à base de vitamine A. Ils sont utilisés surtout à visée ophtalmologique, soit utilisés dans certaines maladies comme le psoriasis aussi. Je passe à une vitamine maintenant liposoluble très importante, c'est la vitamine D. La vitamine D, elle intervient dans plus de 3000 réactions biochimiques. Est-ce que vous imaginez l'utilité et l'importance de la vitamine D? Plus de 3000. Toutes les cellules de l'organisme contiennent des récepteurs de la vitamine D. Ça veut dire que la vitamine D, elle est très, très importante. Il y a deux types de vitamine D, la vitamine D2 et la vitamine D3. La vitamine D2, je ne vous conseille pas, elle est synthétique. Lorsqu'elle n'est pas très bien absorbée par les entérocytes, donc il ne faut pas l'acheter. La vitamine D, l'avantage, elle est synthétisée naturellement et elle se trouve dans les aliments, que ce soit d'origine animale ou végétale. La vitamine D3, naturellement, elle est synthétisée par notre organisme à partir du cholestérol. Donc, il est bien de prendre les nutriments riches en cholestérol, comme le jaune d'œuf, etc., le foie, etc. Le cholestérol qui se trouve au niveau du derme, sous l'action du soleil, les UV, les ultraviolets, il sera transformé en D3, qui est la vitamine utilisée par l'organisme. La D3, cholécalciférol, elle doit passer par le foie et le rein pour s'activer en 1,25 d'hydroxycholécalciférol. C'est la forme, c'est calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D. Donc, la vitamine D, une fois elle arrive, elle est absorbée, bien sûr, liposoluble. On a besoin des sels biliaires pour la solubiliser, pour qu'elle soit absorbée par l'intestin. Elle passe dans la lymphe, puis dans le sang. Dans le sang, elle sera liée à une protéine de transport. Puis, à partir du foie, elle va passer donc dans le sang, puis du sang vers le foie, pardon, et puis vers le rein pour qu'elle s'active en calcitriol. Calcitriol, donc liée à une protéine spécifique de transport, donc elle va traverser la membrane cytoplasmique, elle va trouver un transporteur ou un récepteur, pardon, spécifique. Elle va se fixer sur le récepteur cytoplasmique, elle va migrer vers le noyau, elle va activer la synthèse de l'ARN messager. L'ARN messager, il augmente la synthèse du transporteur du calcium. Lorsque le transporteur du calcium, calcium BP, ça veut dire binding protein, donc lorsqu'il est synthétisé, ça veut dire que ça va augmenter le taux d'absorption du calcium. Et on dit que la vitamine D, elle est très importante pour l'os. Pourquoi? Parce qu'elle augmente l'absorption intestinale du calcium. S'il n'y a pas la vitamine D, il n'y a pas l'absorption du calcium au niveau intestinal. C'est pour ça qu'on dit que la vitamine D, elle a une action sur le phosphore et sur le calcium. Elle augmente l'absorption intestinale du phosphore et du calcium, responsable donc de l'ossification de l'os. C'est pas tout ça. La vitamine D, elle augmente le transport et le transfert du calcium chez le fœtus, de la mère vers le fœtus. Elle augmente aussi la réabsorption tubulaire au niveau rénal du phosphore et du calcium, etc. Et elle a une action aussi sur d'autres protéines, sur d'autres mécanismes. Elle a une action sur le muscle. Par exemple, elle augmente le taux du calcium au niveau du muscle, donc ça augmente le travail musculaire. Elle a une action sur
sur les défenses immunitaires. C'est très important. Et vous avez vu la relation entre le coronavirus et la vitamine D. Pour se protéger, on doit prendre des vitamines, on doit prendre la vitamine D. Pourquoi? Parce qu'elle elle agit sur la différenciation des mononucléaires, elle agit aussi sur les cytokines, donc elle augmente les défenses immunitaires. Elle a une action aussi sur le facteur de croissance, elle a une action sur l'insuline, elle augmente la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta de Langerhans, etc. Donc la vitamine D, c'est la vitamine la plus importante dans l'organisme. Une carence en vitamine D, ça donne une fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, le rachitisme, l'ostéomalacie, l'ostéoporose, une sensation douloureuse partout dans le corps. Donc, et malheureusement, surtout les femmes en Algérie, dans le monde entier, on manque de vitamine D parce qu'on ne s'expose pas vraiment au soleil, parce qu'on suit un régime sans cholestérol. C'est ça le problème. On doit prendre le régime avec du cholestérol, c'est-à-dire on doit prendre les bons aliments qui contiennent du bon cholestérol, comme la matière grasse d'origine animale, le jaune d'œuf, etc., le foie, etc. Un aliment qui contient de la vitamine D, c'est le superfood, c'est l'huile de foie de morue. C'est l'huile extraite du foie d'un poisson, le foie du morue, donc qui est très riche en vitamine D. On a aussi la vitamine E. La vitamine E, elle est très importante. Ça s'appelle la vitamine de fertilité. C'est l'alpha-tocophérol. Donc, je vais passer directement au rôle de la vitamine E. C'est une vitamine aussi liposoluble. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est une vitamine qui est aussi liposoluble. C'est une vitamine antioxydante. Elle prévient la formation des radicaux libres. Elle prévient le vieillissement. C'est une vitamine qui se concentre au niveau du foie, qui se concentre au niveau des testicules et de l'utérus. Pour l'huile de foie de morue, elle est utilisée soit on la boit, c'est pour avoir donc un capital en vitamine, soit on l'utilise aussi pour la cicatrisation. Ici, c'est à usage dermatologique. Je reviens à la vitamine E. C'est une vitamine qui est antioxydante. Elle prévient la formation des radicaux libres, donc elle prévient les cancers, etc. Elle prévient le vieillissement. Elle augmente la fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Elle prévient le cancer. Elle prévient, donc les infections virales et aussi les infections bactériennes. Et aussi, une chose très importante, elle est utilisée pour la cicatrisation de la peau, elle est utilisée pour les chutes de cheveux, etc. Bon, pour la vitamine E, c'est une vitamine qui est très importante parce qu'elle existe sur toutes les membranes cellulaires. Toutes les membranes cellulaires de la vitamine toutes les membranes cellulaires contiennent de la vitamine E à leur surface. Pourquoi? Parce que la vitamine E, elle prévient l'oxydation des acides gras au niveau des membranes cytoplasmiques, en membranes cellulaires. Donc, la vitamine E, c'est un agent antioxydant de toutes les cellules. L'avantage, il n'existe pas des carences vraiment importantes en vitamine E. Pourquoi? Parce que si on prévient un capital important en vitamine C, la vitamine C, elle régénère la vitamine E. C'est ça l'avantage pour la vitamine C, la vitamine E. Elle est régénérée dans l'organisme à partir de la vitamine C. Je passe à la vitamine K. C'est une vitamine, on dit que c'est une vitamine de la coagulation. On pense uniquement que c'est une vitamine de la coagulation, alors que non, la vitamine K, elle est utilisée par plusieurs cellules. J'explique. Pour la vitamine K, on a deux types, la K1 et la K2. La K1 se trouve essentiellement dans les légumes verts, les épinards, le persil, les haricots verts, etc., le brocoli, etc.
Et la vitamine K2, elle est produite par la flore intestinale. J'insiste sur une chose. Il faut faire attention à notre flore intestinale. C'est notre barrière de défense immunitaire. C'est notre première barrière de défense immunitaire. Si on mange n'importe quoi, si on ne mange pas équilibré, on va détruire la flore intestinale. Si on mange trop de sucreries, on va détruire la flore intestinale, la bonne flore intestinale qui est nécessaire pour la réabsorption, pour l'absorption, pardon, et pour la synthèse de plusieurs substances. Donc, parmi ces substances, c'est la vitamine K2. Et malheureusement, lorsqu'on prend beaucoup d'antibiotiques, on détruit la flore intestinale et de ce fait, on va détruire une quantité de notre vitamine K2. Donc, j'insiste beaucoup sur la flore intestinale. En ce qui concerne la pharmacocinétique, c'est la même chose. C'est une vitamine qui est liposoluble, donc elle doit être solubilisée par les sels biliaires. Donc, elle est absorbée par les entérocytes, pardon. Elle passe dans la lymphe, puis dans le sang. Elle est éliminée par la bile. Et je passe rapidement à l'action. La vitamine K, c'est un cofacteur ou une coenzyme, cofacteur d'une enzyme importante qui est la carboxylase. Lorsqu'on dit une carboxylase, ça veut dire qu'elle va carboxyler des protéines pour l'activer. Donc, la vitamine K, elle carboxyle plusieurs types de protéines ou on va les classer en trois types. On a les protéines de coagulation et d'inhibition de la coagulation. On a les protéines porteuses de sel de calcium. Ces protéines porteuses de sel de calcium se trouvent au niveau de l'os. Et on a une protéine spécifique qui existe au niveau du sperme. Donc, trois protéines qui nécessitent la vitamine K pour qu'elle soit activée par une carboxylase. Bon, au niveau du foie, on a les facteurs, la synthèse des facteurs de coagulation. Et c'est pour ça qu'on dit que la vitamine K, c'est une vitamine anti-hémorragique. Pourquoi? Parce que ça prévient la coagulation en cas d'hémorragie. On dit que la vitamine K est un facteur anti-hémorragique. Elle est nécessaire à la synthèse de trois facteurs de coagulation, qui est le facteur 2, 7, pardon, 4 facteurs, 2, 7, 9 et 10. Quatre facteurs, on les appelle les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Et il y a une classe de médicaments qu'on appelle les antivitamines K qui empêchent la coagulation en cas de thrombose, etc. Pour les protéines porteuses de sel de calcium, ce sont des protéines qui existent au niveau de l'os. Et ces protéines donc, sont nécessaires à l'ossification de l'os. Donc, je fais la relation entre vitamine D et vitamine K, qui sont très importants et se complètent. Bon, la vitamine D augmente l'absorption du calcium à partir des cellules intestinales. Donc, la vitamine D fait passer le calcium de l'intestin vers le sang. La vitamine K fait le transfert du calcium du sang vers l'os. Donc, les deux vitamines se complètent. Donc, ils sont nécessaires pour l'ossification et pour le maintien de l'os. Et pour la croissance, un manque de vitamine K et de vitamine D chez l'enfant, ça provoque un retard de croissance, etc. Ils sont très importants chez la femme enceinte aussi. Ça, c'est pour la vitamine K. Il n'y a pas vraiment de carence en vitamine K. Pourquoi? Si on a une bonne flore intestinale, la vitamine K, elle est synthétisée et elle accomplit son rôle dans l'organisme. Je passe aux vitamines hydrosolubles. On a une vitamine très importante, c'est la vitamine C. C'est la première vitamine importante dans l'organisme. La vitamine C, elle n'est pas appelée l'acide ascorbique. On peut la synthétiser, mais la synthèse, elle n'est pas chimique. La synthèse, c'est par extraction et purification des extraits végétaux, etc. Bon, la vitamine C ou l'acide ascorbique, on la trouve surtout dans les agrumes, les oranges, le citron, le pamplemousse, le kiwi. Les fraises sont très riches en vitamine C. La vitamine C, je vous explique une chose très importante, c'est l'absorption de la vitamine C. La vitamine C, elle est hydrosoluble, elle est normalement absorbée par l'intestin, pas de problème.
Mais il y a un problème de saturation, c'est-à-dire l'absorption, elle est active. Donc, il y a un phénomène de saturation avec le transport actif. Si on prend, par exemple, un gramme de vitamine C, on a 75% de la quantité qui est absorbée. Maintenant, si on augmente, par exemple, on prend 3 grammes, 5 grammes de vitamine C, on a uniquement 20% de l'acide ascorbique qui est absorbé. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène de saturation. L'acide ascorbique, une fois absorbé, il est lié à l'albumine. La vitamine C, elle se concentre au niveau des leucocytes. C'est la vitamine de l'immunité. Elle se concentre au niveau des leucocytes. On la trouve aussi dans le cortex surrénal, dans l'hypophyse, dans le foie, etc. C'est une vitamine qui est éliminée sous forme inchangée dans le rein, sauf si on dépasse une certaine dose, donc elle sera métabolisée. Pour le rôle, bon, j'ai cité 3 rôles ou 4 rôles, mais le rôle de la vitamine C, il est plus large. Il est plus large que ça. La vitamine C, c'est la vitamine d'oxydoréduction. Elle prévient l'oxydation et la formation des radicaux libres. Donc, lorsqu'on dit un effet antioxydant, ça veut dire qu'elle protège des cancers. C'est une vitamine de l'immunité. Elle augmente la mobilité des leucocytes, elle augmente le taux des cytokines. C'est une vitamine anti-allergique, elle diminue le taux de l'histamine. C'est pour ça, lorsqu'on est enrhumé, on conseille la vitamine C parce qu'elle augmente les défenses immunitaires, elle diminue le taux de l'histamine.